Eh bien, excusez-moi, eh bien, salut à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, sur la vidéo Euro Truck Simulator. Alors je vais vous présenter une petite partie vraiment sympathique que j'ai réunie. Ah, ça bug dedans. Donc je vais devoir faire démarrer tout. Ouais, je sens que je vais faire ça dans 30 secondes, ça va être ça. Ça c'est signe qu'il y aura une mise à jour. Je sais pas quand, mais c'est signe. Ah, mais putain, il s'est planté. Ah, attendez, je vais essayer de refaire démarrer leur truc. Moi, ouais, c'est quelques coups d'œil. Ok, hein. Ouais, super. Voilà, donc niveau 11. 41 000, vous voyez, ça donne vraiment bien, bien foutu. C'est vraiment une partie très bien foutue. Oh, putain, 31 000, même là où on est, ça nous donne 23 000. Ah oui, quand même, vous voyez, c'est pas de la gnognotte, hein. C'est une partie vraiment assez riche. Voilà, voilà. Bon, on va devoir passer par là. Je vais faire juste la route. Ah, c'est pas ma partie. Putain. Ah, vu que c'est pas ma partie. Alors, vu que c'est pas ma partie, je vais devoir garder le camion parce que je suis sous obligation de garder le vieux Taco. Bon, c'est un très beau camion. Même si c'est apparti à mon frère, j'ai été obligé de le restaurer. Voilà. Let's go, c'est parti. C'est parti. Alors, je vous signale, Volvo, c'est pas la marque préférée. C'est pas ma marque préférée. Ma marque préférée, hein, je vous rappelle, c'est plus Scania ou MAN. Même si Volvo, bon, on est déjà à 4 mois. 7 km/h, juste m'égarer, ça crame mort. Zen, papy Zen. Alors, vu que mon frère avait fait des petits réglages, voilà, touche, voilà, je sais bien. Attention. Je vais rester là parce que après, si je dois faire la marche arrière, bah, c'est pas des parties vraiment. Hein. La partie du pauvre. Hein. Donc dédié à mon frère. Donc je restaure sa partie, c'est pour ça que je lui ai dit qu'il passait la clé de sa session. Que comme ça, moi je restaure sa partie et je fasse des dédits pour que ça fasse. Alors attendez, je vais faire juste la marche arrière parce qu'avec le Volvo, c'est pas ce qu'il y a de mieux. N'est-ce pas? Avec Volvo, ça passe jamais. Hop. Il est où? Ah oui, ok, on est là. Salut, magnifique machin là. T'as pas touché à la marque, non, c'est bon. Hein. Ah putain.
ça passe pas. Et on m'a déjà dit plusieurs fois que l'eau c'était pas de la même merde. C'était pas de la même merde. Bon, alors déjà on va devoir utiliser. Mais trop. Ça a l'air pesant. Ah, être chaud pour passer. Bon, là on va devoir toucher le trottoir. Personne sur leur trottoir. Ah, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Oui, ça passe. Ça passe. Alors, m'a dit plusieurs fois, et ça se peut, que j'étais brute avec un camion. Alors, c'est pas que je suis brute avec un camion, c'est que des fois, les camions, c'est de la merde. Il y en a certains, j'en ai conduit plusieurs fois, genre pas Scania, parce que Scania c'est une très bonne marque de camion, je le dis clairement. C'est même l'une des marques que vous avez tout le monde. Volvo, il y a un camion que j'aime bien. J'aime bien, c'est bah oui, Majestic par exemple, c'est de la merde. C'est de la merde à planer. Clairement, vous avez même pas une seule trajectoire gérée. Il y en a qu'une, même pas zéro. L'arrière, c'est de la merde. Merde, je voulais aller faire de l'eau moi avant. Que je peux pas continuer comme ça. Moi. C'est sûr que je vais casquer, mais je vais toucher. Alors voilà. Donc on va devoir rien faire sur cette partie. J'ai dit à mon frère, je lui ai promis. Merde, c'est pas un garage. Oh putain, je vais tourner là. Je sens que j'ai pas de pouvoir. Ah, il y en a un. Il va falloir qu'on tourne en fait. Et le mec qui accélère. Ah voilà. Je suis désolé, mais le mec il accélère pas et c'est toujours le même qui prend. Donc moi je vous rappelle. Toute partie abandonnée, vous me dites, vous me donnez la clé. Oui, on se donne un rendez-vous juste pour la clé USB. Où vous mettez, si vous y connaissez informatique, hein, si c'est possible de me faire copier le dossier sur Facebook. Je vous rajouterai. Évidemment, je vous supprime après. Ce que j'ai fait un Facebook, c'est pas pour vous. Vous me mettez sur Facebook. Moi. Je reste dans la partie. Si c'est une partie pourrie à chier, désolé, je ne prends pas. Mais si c'est une partie vraiment bien foutue, je la prends. Voilà. C'est le mon frère hein, comme exemple qui est bien foutu quand même. Oh putain de merde, je peux pas sourire. Descend les petites collines. Possible, hein, je passerai jamais clairement.
Ça passe par là, pas. Putain. J'ai même pas bougé la voiture, ils ont eu lieu. C'est quoi? On attendait pas. Et je peux passer. Ah. C'est le même sage. Camion passe par ouais. Je sais pas si je me fais. Oh, je crois que j'ai oublié. Merde. Que je gère. Donc marche arrière. Putain, j'ai l'impression que je touche la voiture. C'est pas. Sur le parking. Ah, c'est un blind. Merde. Bon, écoute, ça me fait chier pour le stationnement. Excusez-moi. Voilà. Donc il va être 10h. On nous reste combien? Oh, 10h. Oh là là, voilà, on va démarrer directement. On va y aller dans le parc. Ah là mec, j'ai dû l'empêcher pour bouger son camion. Il a dû être emmerdé le pauvre. Je suis désolé hein, mais voilà. C'est comme ça, j'ai pas pu me le garer. Voilà, s'il y en a des péages à nous faire. Non, on n'a pas de péage. Et en plus, ça c'est que de l'autoroute après. Mais là, on a. Ouais, oh, c'est nickel. Nickel où? Moi, j'aime bien les parties comme ça, les parties qui voyagent beaucoup. Laisse mon papa, c'est surtout moi. J'ai touché la mort, putain.
J'ai cru que j'allais faire un accident. Ouais, donc moi, les parties qui voyagent beaucoup, moi, j'aime bien. C'est le style de jeu. Donc, j'aime bien. Où là, vous voyez, vous voyagez longtemps. Là, j'aime bien. Là, c'est une partie vraiment conseillée. Là, c'est une grosse remorque que je porte. Bon, ça, c'est rien. Plus la fin du monde, comme on dit. On tourne, hop. J'aime pas ces routes, ils sont toujours serrés. On va pas tout mettre à genre sur le rebord, et là, ça risque d'être chaud. Oh putain, il y a une voiture. Ouh là 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 là, j'ai peur de pas. Ça va m'esquiver. Oh putain, il y a un camion. Pousse ça, pousse ça, pousse ça, pousse ça. Genre, la voiture, elle a pas peur. Hein. Voilà, ça se sert. Oh putain. Ça se sert, ça se sert. Ah bon, on a encore un Valo, mais les Volvo. Ah non, c'est Scania. Oh, c'est Volvo. Ça, c'est en train de pas beaucoup de vitesse. Hein. Donc voilà. Ça va, ça avance beaucoup. On avance vraiment bien. On... Pour une fois que c'est un jeu qui donne de la donf. Attends. Il y a une voiture. Oh là là, il y en a même deux. Oh, c'est bien foutu quand même. Ouais, je suis juste obligé de freiner. Parce que si je fous un coup d'accélérateur, je suis parti dans la barrière. Je m'arrête pas, hein, je conduis toujours. Là par contre il est donc 11h, j'étais obligé de dormir. Voilà, voilà, donc on va accélérer, on va continuer d'accélérer. Ça m'énervait les gens qui accélèrent pas dans un virage. Là, vous vous dites putain, mais ils sont cons, ils savent pas conduire. Ah, même moi, je sais conduire. Là. Allez, on y va, on accélère. Un petit coup d'accélérateur, ça fait pas. Ils me disent ouais, il y a une date d'accession. Bon, là, a... On va voir ce qu'elle donne le volume.
Voilà. D'accord. Bon, bah bref, moi je vous dis donc à très vite pour de prochaines vidéos. Sur ce, à la prochaine. Ciao.